Bienvenue sur T'Éternel en ce jeudi 13 septembre de M17. Bon. Heureusement que c'est pas un vendredi, sinon j'aurais tout pété, j'aurais encore dit mise à feu, mais pas de son. C'est comme mon bon Dieu. Ça marche les mines, je sais pas quoi. Presque pas de mort, y'a rien, tu vois. Par contre, j'en ai après les psychiatres, les machins qui prescrivent la mort de l'âme. Avec leur cacheton pourri de merde. Tous les mecs, ils en font des tueurs. Hein. Bon, premier couplet. Bon. Donc, premier, j'en voulais à ma cousine. Pourquoi? Commence à me casser les couilles pour un cubi à 6,85€ que j'ai pris des escargots et puis des brioches pour 10 €. Bon. Ça, encore, c'est pas grave. J'ai dit, va te faire déprotocolifier. C'est des protocoles. En fin de compte, ce soir, c'est pas Tata qui m'a énervé, c'est sa fille. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis parti, normal. Bon. Deuxième point que je vais aborder, ça, c'est pas mal. C'est l'ANPA, c'est. Je sais pas, j'ai le papier là. Que quand même. C'est le centre d'addictologie. Attends que je trouve le papier. J'ai pris les papiers de l'église aussi. J'ai pris le papier. Il y a le papier. Remarque, le papier de l'église, c'est bon, il va commencer par ça. C'est exactement ça. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Moi, je suis pas trop pour les feuges, mais quand même, là, ça va. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de ton sang. Alors ça, c'est balèze. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Bon, d'accord. C'est à peu près ce que je pense. Comme ça. Aujourd'hui, j'étais à Giofredo. C'était le conseil trimestriel. Et j'ai vu le grand patron. Enfin, le grand patron. Le patron. Enfin, le boss. Tout. Il avait l'air complètement taré, mais il avait l'air super gentil. On était bien. On a passé presque 2 heures. Bon, c'est genre le club des usagers ou un truc comme ça. Franchement, c'était puissant. Enfin, c'était pas mal. Et la toute petite bonne femme qui est toute maigre et tout, eh ben je l'aime bien. Et puis il y avait un autre bonhomme, eh ben je l'aime bien. Et puis il y a le patron, ben je l'aime bien. Et puis il y avait Vincent, eh ben je l'aime bien. Tu vois? C'est pas que ce soit des gentils fictifs. Mais quand même, j'étais content, je sais pas. Ça avait l'air quand même humain. Puis c'est pas mal le programme de trucs, le machin. Bon, je trouve pas le paplard, mais. Je trouve pas le paplard, mais je veux le trouver. De toute façon, je vais faire des photos après. Le seul problème ici, c'est qu'Internet, ça marche plus pour mettre les films et puis tout ça. Là. Comme ça. Parce que ici, il faut dire le nom, il faut trouver le paplard, il faut dire le nom. C'est le CASPA, c'est le. Il y a 2 rendez-vous, ça oui, faut que je le note, enfin, il est noté. Il y aura le 20 décembre, après-midi 15h à Antibes,
Et le 15 et le 21 novembre, 14h ici. Bon, ça oui. Celui-là, je l'ai. Après, c'est les papiers d'église. Habité par la même espérance. Tu sais, c'est quand on a marre de ce monde de merde où il n'y a que des enculés à pognon. Justement, je pardonne pas tout, moi. Les pédophiles, les machins, je pardonne pas. Hein, Jacques Lang. Seigneur, toi qui nous pardonnes. Oh, toi qui prends nos péchés. Kyrie eleison. Eleison. Bon. Seigneur, viens nous pardonner. Je pardonne pas tout le monde. Oh, toi qui prends nos péchés. Seigneur, viens nous pardonner. Il y en a, c'est pas possible. C'est pas marqué dans les livres. Pas super marqué dans la Bible. C'est le 23e dimanche du temps ordinaire. Ah ouais? Moi, c'est pas un temps ordinaire. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Et là, il leur dit, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Bah, c'est celui qui fait battre ton cœur, tu peux bien l'adorer. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Bah oui, c'était fertile et tout, c'est devenu un désert. Voilà. Où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient eu mon exploit. Ça, c'est l'esprit. Après, c'est lecture de Saint Paul, apôtre aux Romains. 13,8-10. Frères, n'ayez de dette envers personne. La seule dette, c'est l'épicerie. Sauf celle de l'amour mutuel. Ça, oui. Complètement d'accord. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, ça, on va dire, c'est le problème de Michel. Enfin, non, on va dire, moi aussi, j'ai fait la connerie. Je l'ai faite, la connerie. Tu ne commettras pas de meurtre. Bon, pff, jamais fait. Hein. Tu ne commettras pas de vol. Bon, j'ai volé des piles à Carrefour pour ma télécommande. Une fois, une deux. Tu ne convoiteras pas. Alors ça, voilà. C'est ça le truc. C'est les bonnes femmes. Ah, t'es là, tu dis, oh putain, la paire de loges qu'elle a. Oh putain, le cul qu'elle a, celle-là. Comme ça. Mais non. Non, non. Marc, mon assistante sociale, putain, je boufferais bien la chatte. Et puis, la prof de yoga aussi. Mais ils sont mariés, ils ont des enfants, et tu ne convoiteras pas. Mais quand même. Passons en mode maille à l'abeille de temps en temps, enfin bref. L'amour ne fait rien de mal au prochain. D'accord? Donc, le plein accomplissement, c'est la loi, c'est l'amour. Et c'est ça, leur télé de merde, leur truc de merde, leur média de merde, putain. Je vais le redire. Par la guerre et les machins, ils enlèvent l'esprit des peuples. Bon. Par la télé, les merdias et toutes les conneries, les tablettes de mes couilles et tout ça, ils enlèvent l'esprit de famille. Bon. Et après, par les cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. Dis-moi le contraire. En fait, un psychiatre est un bourreau. Pas compliqué. Il faut le dire à Carrère. Là. Ben, je vais l'envoyer, si ça marche, je vais l'envoyer à l'Odyssée. Parce que c'est après tout, c'était ça le sujet. Bon, la cousine, c'est pas grave, tu sais, c'est un protocole. Hein. Infirmière diplômée d'État. Bon, d'État corrompu, mais elle le sait pas. Tu vois?
C'est pas qu'il y a que des fils de pute au pouvoir. Les belles femmes, ils vont via du pognon. Est-ce que vous me comprenez bien là? Je parle au nom de Chris de Nice quand même. Et en plus, les 98% de connards, je les emmerde. Je sais pas comment dire ça. Si, je sais. Les 95% du cerveau qui vous servent à rien, c'est à rien. Un beau blond aux yeux bleus, ça sert à rien. C'est quoi ce merdier là? En direct de Envoyé Spatial, c'est termine à raison qu'il a pas tort. Et puis, moi je me mets en veille parce que voilà, je sais pourquoi. Je connais ma position dans l'espace-temps. Je suis tout seul à les voir. Hein. Légère préférence pour les protestants. Non, les orthodoxes, je suis pas allé vraiment voir. Mais je suis allé voir un imam. Je suis allé voir. J'ai pas vraiment rencontré un vrai bouddhiste. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de le savoir. Envoyé spatial pour t'éternel. Inchalamen Iraim. Mazel Tov. En fait, c'est vrai, tous les gens ont du pouvoir, de la télé, du machin. Pff, allez, à 97,3%, c'est que des juifs. Ils ont cloué leur chef. Sans brûler la lumière, Satan. Satan.